Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une découverte de cartes, bien sûr, nous sommes sur la vallée d'Ela, une carte qui sortira le 8 octobre, au moment où je vous parle, on est en train déjà de l'essayer sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Donc une petite carte assez sympa, si je vous montre un peu le PDA, vous voyez, c'est une toute petite carte. Donc vous aurez bien sûr une ferme principale qui est tout simplement ici, que vous aurez au départ si vous partez en nouveau fermier, voilà, avec plein de matériel. Une zone achetable, des pâturages à la vache ici que vous aurez bien sûr au démarrage parce que vous allez commencer avec 10 limousines. Donc la carte a été créée par L2C Modding, si vous vous rappelez, de Charente. Voilà, tout simplement, c'est le même créateur. Il a rajouté en culture du seigle, de l'épeautre, du triticale, du millet, de la luzerne, de la carotte, de l'oignon, de blond, de la lavande, du pavot. Voilà, donc de quoi s'amuser assez sympathiquement en multifruits. Vous aurez aussi quelques spécificités, un peu comme le rapport de mélange pour la mélangeuse, pour les vaches par exemple. Il vous faudra bien sûr du foin de luzerne, il vous faudra aussi de l'ensilage, il vous faudra du blé, de l'orge et des compléments minéraux. Sinon vous ne pourrez pas tout simplement avoir une RTM bien équilibrée, à des dosages bien précis aussi. Je vous présente l'étable à vache, qui est pas dégueulasse du tout, qui est même plutôt mignonne, qui aura une belle production bien sûr. Vous avez beaucoup de matériel au démarrage comme vous voyez. Les bâtiments sont relativement jolis, j'aime bien les bâtiments sont vachement bien designés, ils sont vachement jolis. Bien sûr vous allez commencer avec du matériel un peu partout sur n'importe quel mode, donc du matériel qui va vous servir, qui est assez sympathique. Il n'y a que le petit Valtra où j'y mettrai un défaut parce que c'est une boîte mécanique, mais après chacun ses goûts et ses couleurs. Pour démarrer ça va être très très simple, ça sera jamais compliqué parce que franchement avec tout le matériel que vous avez quoi de vous remettre assez bien. Vous allez retrouver bien sûr un enclos à cochons. Enclos à cochon qui est assez joli aussi, qui est assez bien designé, qui est sympathique. Vous allez avoir bien sûr une usine pour les pommes qui sera là. Vous aurez un silo de disponible directement quand vous aurez acheté le terrain. Vous avez votre maison qui est tout simplement ici, voilà, hop, juste derrière, dans le corps de ferme. Vous aurez la disponibilité bien sûr de la semence, de la chaux et bien sûr de l'engrais. Vous aurez aussi un peu d'herbicide ici. Vous aurez de quoi stocker tout votre matériel dans ce secteur-là. Et bien sûr, dans celui-là, vous aurez de la paille en stockage ici au démarrage. Vous aurez quelques matériels comme la top liner avec sa barre de coupe, la classe et la petite, voilà, le petit ensileuse qui va bien avec. Voilà. Vous aurez la possibilité aussi tout simplement de rajouter des moutons. Des moutons sans problème qui se retrouveront ici, qui sont assez jolis, assez sympathiques. Là, vous aurez un atelier de réparation, vous aurez d'autres nouveaux matériels. Petite spécificité sur la carte, il vous faudra acheter bien sûr les poules ici qui se promèneront dans le corps, tout simplement, le corps de ferme. On va en acheter quelques-unes pour vous montrer. Hop, acheter, oui, ok. Donc vous aurez vos poules qui se promènera tout simplement dans le corps de ferme, qui est assez mignon, j'aime bien l'idée, mais vraiment bien. Pour nourrir vos poules, bien sûr, il vous faudra tout simplement aller ici. Essayez de pas de vous tromper comme moi j'ai fait, bien sûr, dans le live, le premier live où on a présenté la carte, où on a commencé. L'épisode sortira vendredi. Ici, vous aurez les lapins qui demandent pas mal de choses. Il faudra du blé, de la carotte, de l'eau, de la paille, du foin et de la luzerne fanée qui vous fournira de lapins. Voilà, tout simplement. Les chaînes de production sont assez conséquentes si on regarde vite fait. Vous aurez la possibilité de faire du cidre et du jus de pomme pour celui qui a votre ferme, tout simplement. Donc avec de la pomme, de l'eau et du sucre, ce qui vous donnera tout simplement du cidre et du jus de pomme. Vous ne pourrez pas manquer bien sûr l'usine Candia Yoplait, voilà, qui sera ici et qui va vous donner un panel d'usine qui va être assez sympathique. On va regarder ça tout de suite. Vous allez pouvoir fabriquer bien sûr du beurre, du fromage, du chocolat, du babou, du yaourt, de la crème fraîche, du lait entier, du fromage quark, du lait d'épeautre, de lait d'avoine et du lait de seigle. Donc bien sûr en entrée il vous faudra du lait, du sucre, de l'épeautre, de l'eau, de l'avoine et du seigle. Voilà tout simplement pour arriver à fabriquer tous ces produits là. Chaque produit a sa spécificité bien sûr quand vous regarderez sur le côté gauche. Vous voyez qu'il ne vous faudra pas la même chose pour fabriquer bien sûr en sortie. Vous aurez un concessionnaire assez sympathique en pleine ville où il n'y aura qu'une route d'accès qui est simplement assez magnifique. Je l'aime bien, franchement j'aime pas mal. Et le biogaz, bien sûr j'ai oublié le biogaz, il faut que je vous montre le biogaz avec ces deux gros silos bunkers énormes. Où vous viendrez bien sûr vous amuser à faire vos tas d'ensilage avec une balance sur le côté. Vous avez un petit design de carte assez sympathique. À gauche, vous retrouverez un point de vente, tout simplement. Vous en avez un deuxième au fond, ici, qui vous servira tout simplement à vendre tous les produits du quotidien. Vous avez le marchand de bestiaux qui sera
dans ce coin-là, qui est assez bien designé, qui est assez sympathique aussi, où vous viendrez récupérer vos animaux. Dans le deuxième plan, vous verrez que vous pourrez vendre vos cultures et tous les travaux de sol seront ici, voilà, simplement. Vous avez chaque case pour vendre chaque culture qui vous intéresse, tout simplement. Ici, vous aurez votre pâturage à vaches avec vos limousines que vous aurez au départ, que vous pouvez vendre ou bien sûr entretenir, comme vous le sentez. Les champs sont vachement vallonnés. Les champs les plus critiques seront les 17, 18 et 21 qui vous demanderont pas mal de puissance moteur pour arriver à vous en sortir correctement. À côté du marchand à bestiaux, vous retrouverez tout simplement l'usine de la menuiserie. Voilà, pour faire des planches et tout ce qui va bien avec. Donc, si je vous la montre vidéo, vous retrouverez une carte quand même assez sympathique avec petit, grand, moyen champ, tout simplement, où vous pourrez faire à peu près tout ce que vous avez envie, en sachant qu'il y a une V2 qui se prépare pour fin d'année, où tout simplement, vous voyez le reste de la carte qu'il y a à faire, c'est en conception. Voilà. Il est en train de concevoir la deuxième partie de la carte, donc là, c'est vraiment la première partie qui est vachement bien vallonnée, qui vous demandera de la puissance. On n'a pas le temps de vraiment s'ennuyer, on est 4 sur la carte, on a débuté sur Twitch cette carrière, on s'est mis au défi de la finir pour fin octobre, donc n'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas non plus à aller follow, bien sûr, L2C Modding, le lien est juste en dessous, le lien de son Facebook, n'hésitez pas à y aller, on dira un grand merci à lui, parce qu'il nous donne la carte en accès en avant-première, voilà, avant sa date de sortie, je le rappelle qu'il sera le 8 octobre, n'hésitez pas à nous rejoindre et à le rejoindre aussi, et à voir toutes les actualités, toutes les matchs, toutes les corrections qu'il peut faire. Il y a un boulot assez joli, le design est assez sympathique, le gameplay pour les animaux sont améliorés, il vous faudra tout un tas de petits tips à droite à gauche pour dire de vous en sortir. Il y a des disquettes aussi à savoir sur cette carte, au nombre de 20 qui vous donneront 1 million d'euros qu'on s'est servi pour arriver à s'en sortir sur la partie de zéro, pour arriver à la finir plus tôt, bien sûr. Et on se retrouvera très prochainement, bien sûr, sur cette carte, très très vite, avec des rediffs, et bien sûr sur Twitch en direct, si vous voulez venir. On se dit à la prochaine, les Schizo. Merci à tout le monde, merci au staff. À la prochaine, ciao, bonsoir.